pas là, Sandra va là, Rodriguez va là, mais il y a monsieur Jean-Marc Hervé Abela, Fred Kaimit, Valéo Saint-Louis t'a pour ce voyau, semble Fred Kaimit déjà, Valéo Saint-Louis glorieuse, Nelson, et semble Gary Altidor t'a pour recevoir toute équipe VOA qui t'a couvert, ça a relé la nuit des jeunes. La nuit des jeunes qui est arrivée dans la 19e édition, le grand pile gros morceau dans HMI là, dans la musique haïtienne, dans l'industrie musique haïtienne, là, qui était présent, notamment M. Defez Afeo, et donc on a parlé de Zafem qui était là, et Blondine, qu'on paquet l'autre gros artiste qui était là. Donc on quitte ça, M. Valéo Saint-Louis avec toute l'équipe là, il y a quand même tout ça. Mais je dis, c'est 8 avril 2024, c'est un jour côté que, eh bien, un pile focus, un pile attention sous question éclipse solaire. Éclipse solaire, ça lié, c'est là, la lune, non, il est pratiquement monté sous soleil là, et puis, c'est la lune tout noir pendant quelques minutes. C'est un éclipse qui a un itinéraire spécial. Pourquoi ça me dit spécial? Parce que les particuliers, son événement absolument particulier. Et l'absoti Mexique, l'a traversé les États-Unis et l'a atterri Canada. Donc, en pile monde, c'est un événement qui n'a pas aspect là, un aspect touristique, parce que pile monde qui est déplacé, parce que vous avez une éclipse totale, mais ça dépend de coteau il y a. Ou qu'on est en question de optique tout. Ça dépend de coteau il y a. Grand pile monde par exemple Texas, grand pile monde qui gagne en louer hôtel depuis combien de temps parce que américain très branché sur question ça. Gagne monde qui yo même dit gagne monde qui touriste qui gagne acheter et billet hôtel yo et ben jusqu'à et depuis un an à l'avance donc yo déjà là. Nous connaissons ça c'est aspect touristique là. Mais debout dit touristique gagne deux aspects là-dedans tout. Gon aspect social, ça veut dire c'est la famille, ses amis, mon a rencontré. Mais tout gen aspect économique là. Parce que hôtel qui dans zone ça yo, eh ben, c'est tête nèg. Et prix yo monté, prix avion monté, tout bagay ça obligé monté. Parce que gen pile curieux, ou bien gen moun ki remè et phénomène ça yo, eh ben, qui yo même qui allé pour yo capable. Donc nous dit que li gen aspect touristique, parce que gen pile moun kap déplacé d'un endroit à un autre, gen moun kal Mexique par exemple. Parce que Mexique c'est là que itinéraire. Et éclipse solaire là a commencé et puis l'a traversé les États-Unis et puis pour descendre Canada. Gen moun tout qui prend t-shirt ba au Canada. Mais tout gen moun qui gantan acheter et lunettes yo, fait commande lunettes yo parce que ou pas capable garder éclipse solaire avec yeux. Ils sont danger pour yeux et VO akrol mettant pile accent sur ça. Gen pile l'autre côté tout, protection civile en pays d'Haïti. Mettez accent sur ça tout ou pas doit garder éclipse ça avec yeux à Denawel. Faut ou même ou capable acheter lunettes spéciales, pas occuper coquet parce que gen moun tout kap vann faux lunettes. Faut que ou sur de côté qu'on achète lunettes là. Bien que tout ça m'a dit là, l'autre gens tard parce que tard là. Par exemple, moi en Washington DC, faut me tendre peut-être vers 3 heures combien, 4 heures pour me capable. Et ouais. Donc, ça veut dire que ça m'a dit là, m'a connaît. Donc, si nous avons lunettes, nous pas sûr de lunettes là, de provenance et de compagnie, pas utiliser. Donc, c'est ça qui fait que nous demandons tout le monde pour prendre précaution. Nous ne pouvons pas garder l'éclipse là, non? Nous devons prendre précaution, il faut garder avec lunettes qui spécialisées, qui faites pour ça, et par des compagnies qui ont même spécialisé dans le domaine. Donc, nous disons que c'est la lune qui a monté sous le soleil là, et puis c'est la vigne tout noir. Ça ne veut pas dire que la lune qui peut masquer le soleil là, à 100%, ça veut dire même grosseur. Non, il n'y a pas même grosseur. Et parce que la lune est 400 fois plus gros que le soleil là, mais tout bon distance par rapport à que. C'est ça qui fait que, au point de vue optique, c'est ça qui fait que le phénomène ça est capable de vivre. Donc, nous disons que l'a commencé au Mexique, l'a traversé les États-Unis et l'a fini au Canada. D'après spécialistes, il y a 32 millions de monde qui sont capables de voir l'éclipse totalement aux États-Unis seulement. 32 millions. Donc, nous imaginons combien de millions de monde qui pourraient être capables d'éclipser ça totalement. Et il y a des gens qui ne peuvent pas le totalement. Il y a des gens qui peuvent le partiellement. Donc, tout ça, je ne vais pas entrer trop en fond parce que ça, c'est domaine de monde qui est spécialisé dans la question. Mais en gros, VOA Creole, qui côté information, il y a tout. Donc, éclipse ça là, nous l'a tout. Nous, la nuit des jeunes, New York, nous l'a tout.
Donc, tout côté et actualité, nous là. Donc, c'est gros point dans l'actualité internationale là, parce que lui-même, international, dit planétaire plutôt. Donc, son événement planétaire, bien que l'a traversé seulement 3 pays, mais il n'y a pas 4 autres pays. Par exemple, nous, la France, il y a un pile d'arrangements qu'a fait en France pour que, eh bien, même soient capables de vivre événement ça. Donc, l'idole planétaire, même si c'est 3 pays que l'a traversé, et n'a parlé de Amérique du Nord là, donc, commencer au Mexique, traverser les États-Unis et puis tomber au Canada. Et puis, donc, on parle politique dans le pays d'Haïti avant que nous avons l'autre point dans l'international là, surtout nous connaissons et nous parlons pour aller en Moyen-Orient, mais on a la politique là, et dans le pays d'Haïti, un bon accord politique pour une transition pacifique et ordonnée. C'est un accord que toute structure qui est impliquée dans le conseil présidentiel de transition, yo signé pour être capable, dans quelle mesure, que capable, eh bien, joindre yon d'abord installation. Par exemple, premièrement, nous connaissons que gen installation conseil présidentiel de transition qui est pour faire. Mais quand y a là, yon fin fait accord, là, ça y aurait yon accord politique pour une transition pacifique et ordonnée. Eh bien, vous voyez le bail CARICOM qui lui-même, c'est instance qui a là, qui a fait travail de médiation dans le cadre de la crise. Qu'on y a ça, là, vous avez fait selon itinéraire, là, où t'es là. Donc, vous voyez le bail CARICOM, CARICOM, qu'on y a pour le voir le bail Premier ministre Ariel Henry, côté LIA, et lui-même, là, bien pour le publier dans le journal officiel PIA, le moniteur, pour être capable et continuer. On dit, c'est organisation politique, économique, société civile et religieuse, qui n'a conseil là, qui travaille sous document ça. Et d'après document ça, eh ben, et conseil national de transition, l'a gagné un mandat 2 ans. 2 ans, l'a dû remettre pouvoir 7 février 2026. Il y a monde qui dit que le Premier ministre Ariel Henry était de 2025, mais il y a même venu avec 2026. Ce n'est pas même structure là, ce n'est pas même et réalité. Donc, gouvernement de transition, ça, l'a gagné en tête, l'yon Premier ministre, d'après document, yon Premier ministre non partisan, qui pape ça passe pour qui, et cap gagné pour le restaurer sécurité publique, avec tout problème que nous connaissons, gang armé, à bail, et puis, y a gagné pour restaurer sécurité publique, pour reformer institution, yo, et puis, préparer terrain pour des élections libres et transparente. Moi, en général, je compte démocratique là-tout. Mais fois ça, m'barouel. Conseil national de sécurité, l'a bien pour répondre à tout gros défi sécurité pays. Et il a tout fait en coordination au niveau assistance internationale. Donc, tant qu'on te dit le mandat conseil présidentiel de transition, l'a prend fin 7 février 2026, date côté que nouveau président a entré en fonction selon accord. Donc, un pile et donner en dedans à quoi que nous-mêmes nous pas gain temps pour nous ouais que n'a pas gain occasion ouais. Premièrement à 4h dans rendez-vous n'a pas capable gagner une idée de document nous gain sur place dans Port-au-Prince et correspondant notamment Yves Marie Capgain pour faire un reportage sur lui mais tout n'a pas gain pour nous l'autre aspect là-dedans parce que l'autre aspect là-dedans gain question genre diaspora et l'autre question quoi qui j'ai fait question sécurité à qui j'ai pour faire coordination assistance et international là que salaire et moun la présidence parce que gab gen 7 membres dans conseil de transition hein, et ap gen conseil présidentiel de transition et ap gen 2 observateurs là-dedans qui jan ap logistiquement donc tout bay gen pile question qui gen proposé par rapport à ça mais nous connaissons que dans niveau nous est là d'après information qui vient joindre nous c'est que document ça a joindre CARICOM et CARICOM pral voye le bay Premier ministre Ariel Henry qui lui même ap gen pour lui et fait le passer dans le journal Le Moniteur, journal officiel PIA. Donc, n'a pas suivi. Pendant ce temps, gang armé n'a pas suspendu si mais la terre, il continue à bouler, il continue à vandaliser, il continue à craser. Notamment, d'après une nouvelle qui saute Port-au-Prince, il a pillé JB Damien. JB Damien, c'est une référence en matière de formation, pour formation professionnelle et travaux manuels, bah, ça, yo. Et gagne un nom que nous associons avec de regret de mémoire n'a parlé de Hansi De Rose qui lui-même t'est dirigé lui donc et une autre fois encore c'est
c'est l'intérêt de toute première église baptiste ou de la Réunion, qui encore son référence ecclésiastique, son l'église que tout le monde connaît, qui pas, qui tout près, monde qui connaît ou de la Réunion, tout près palais justice et tout près mausolée, pas trop loin palais national, eh ben nèg yo fait des autres là-dedans, yo dit nèg armé. Et gen l'autre côté encore que yo fait, c'est pour dire que son situation que même sous journaliste haïtien ou étranger, eh ben son bagay qui très triste le que autant décausé comme ça parce que gon paquet de bagay k'ap détruit et non seulement physiquement mais gen patrimoine yon pays son bagay extraordinaire, lò gen des monuments comme ça, lò par exemple ancienne cathédrale son monument, lò gen palais national son monument, lò gen cathédrale pays d'Haïti son monument, JB Damien son monument, Enats son monument, c'est des monuments que n'a perdu et lò perdu avec un paquet de bagay ou des pièces d'archives qui gen la donne. Sûrement gen des pièces d'archives que yo perdu. Donc mais qui gen situation est n'a suivi pour nous même comme journaliste. Et puis yon bay qui gen rapport avec pays d'Haïti et qui était fait dans Miami, c'est sommet international finance diaspora dans Miami. C'est yon sommet qui était fait avec groupe croissance avec partenaires yo, groupe croissance qui a fêté d'ailleurs et 30 années. Nous saluons Christian Farrell, qui est responsable PDG Groupe Croissance. Il était fait en partenariat avec Profit de l'ingénieur Jean-Marie Altema et tout cabinet Friendly Julien, en parlant de Friendly Denis Julien. Ils ont tous les trois été présents. Et puis, il faut dire tout que député américain d'origine haïtienne, chez la chef Phyllis McCormack, il était là tout. Donc, il y a plus de gros questions que ils ont débattu dans l'occasion. Très naturellement, cher Phyllis McCormack, tu es là, tu as parlé de politique, de ZAMCAP entré en Haïti, côté au passé, et l'a demandé en l'autre fois encore pour l'administration Biden pour prendre des dispositions plus pour que ZAM pas entré dans le pays, parce que d'après ça, on dit c'est Haïti pas fabriqué ZAM. Si ZAM est entré, si ZAM est à ZAM en Haïti, c'est parce que les sorti en côté, d'après ça, eux-mêmes, et yo dit. Donc, tu as parlé de technologie, tu as parlé d'éducation, tu as parlé d'agriculture, de finances, il parle tout de immigration et on parle tout de rôle que diaspora est capable de jouer. Il dit par exemple diaspora bail chaque année 4 milliards de dollars sans contrepartie. Ça veut dire 4 milliards de dollars, il y a pas grand-chose bagaille que y a mando en retour sans contrepartie. Mais ça spécialiste vinn ouais pendant 2 jours sommet ça. Ça y ouais c'est que dans 4 milliards de dollars là, il y a 1.4 qui allait en République dominicaine. Donc, ou imaginez que yon diaspora qui voulait tout comme ça et un bon parti aller en République dominicaine. Et monsieur spécialiste dit comme ça que l'île pour comme ça yon pas entrer seulement pour manger du riz, sauce pois, légumes, mais pour pas là seulement pour consommation, acheter rad, mettre timoun l'école, mais que le capable tout yon l'argent que yon fait développement, yon fait investissement là-dedans. Non seulement le tap bon pour le monde qui est en Haïti, mais le tap bon tout pour le monde diaspora. Parce que au lieu de diaspora, tu as voyé 100 dollars, puisque le connaît que comité voyé a fait petit, eh bien, la voyé 50. Donc, c'est une politique tout le monde joue. Même qui était gros question ça, pour Christian Farrell, pour Jean-Marie Altema, pour Friendly Denis Julien, même c'était trois partenaires qui étaient fait ça. Et d'après information que nous jouons, Christian Farrell a pensé aussi, il t'a traîné. Sommet international là, l'autre côté. Nous souhaitons que l'on n'a pas capable d'accueillir tout dans la capitale fédérale américaine, Washington. Et de vous dire Washington, c'est l'autre niveau. Mais il dit voilà l'autre côté, New York, Boston. Donc, nous avons pour nous parler à Christian Farrell sous ça. On dit que nous avons pour nous parler avec elle, mais nous avons parlé avec Altema parce que nous avons un petit empêchement. Donc, c'est ça. En gros, c'est comme ça. Haïti, il y a suivi clips là tout. Il y a une question politique, il y a un accord de transition pour une transition. Ordonné, en transition politique ordonnée. Donc, n'a pas suivi pour. Et tout, n'a pas gagné un reportage qui est très important. Question de monde qui était débarqué dans l'aéroport international cap-haïtien pour venir parce que le deal c'est gratis, si chéri. Depuis que le programme Biden nous a monté, il a accepté, c'est monter avion et aller. Ce n'est pas vrai. C'est une rumeur. Et nous, n'a pas gagné Pita Gérard Maxino qui lui-même. La pral présenter reportage. Reportage la fin dit que il déjà sous VOA créole sous la ou gendal gadel mais n'a repassé encore parce que c'est une question éducative pour moun yo konnen, c'est pas toute bagarre ou tande online sans vouloir critiquer mes confrères, mes amis qui online.
c'est pas toute information qu'on t'en dit online pour sûr. Et sous vin sous VOA créole, m'bon garanti. Et m'bon ap konnen ça qui vrai, ça qui pas vrai, parce que nous-mêmes, eh ben, nouvelle la ka bon, nouvelle la ka pa bon, mais nous-mêmes, n'ap di la vérité, c'est slogan, et la voix de l'Amérique depuis 1942, l'elle était prenne naissance, c'est ça que première phrase je te dis, nouvelle la ka bon. Nouvelle la Kababon, mais Nabdou, la vérité, et c'est ça, la voix de l'Amérique. C'est pas seulement VOA Créole, mais c'est toute la voix de l'Amérique, toute agence là. Et nous-mêmes, comme ces petites agences là, nous donc, et, Joumou, pas donné calbas. Donc, en allant international, là, dans l'international, là, gon, gros discussion qui gagne là, yon scandale diplomatique même, entre Mexique et Équateur. C'est comme ça, ministre Affaires étrangères, pays Mexique là, en parlant de madame Alicia Bárcena, lui dit que jodi a le pral saisi cour international justice là. Cour international justice là, c'est plus haute instance que la question justice qu'on capable dans Nations Unies. Donc après que gen policier pays Équateur entré dans ambassade que Mexique gagne dans Quito pour être capable arrêter yon ancien président en parlant de Jorge et Glass que yo reproche monsieur paquet bagarre mais et yo dit que eh bien, propriété, yon ambassade li inviolable. Ou pas gen droit entrer là-dedans comme ça. Donc, ça veut dire son question qui fait un pile scandale. Non, Amérique latine dans tout, mais li rive plus loin tout parce que les États-Unis réagissent sous li. Donc, c'est pour dire que Konya là, son dossier que nous gen pour nous suivre pour parce que Konya li dans les Nations Unies parce que le Mexique, à travers le ministre Affaires étrangères li, et en parlant de Alicia Bárcena, li même li dit que li pote bala devant et Cour internationale de justice pour être capable et parler sous ça. Et puis ici aux États-Unis et élection il y a un peu le monde a suivi de très près deux candidats qui pourquoi confirmer. On a parlé de ancien président républicain Donald Trump avec président et démocrate Joe Biden. Joe Biden pratiquement déjà là, et puis Donald Trump pas gain rival, lui là. Mais nous connaissons processus électoral là ici aux États-Unis. Faut gagner yon bagay formel qui fait pour fait et laisse après gain convention pour le faire. Donc, dans la convention, VOA Creole, très naturellement plat. Très naturellement plat. N'a pas la convention et le ça y a pas dit officiellement, même moun qui pourra représenter le Parti démocrate là, même moun qui pourra représenter le Parti républicain, dans l'élection pour le faire. Date là pas oublier, c'est 5 novembre. Capvin là, 5 novembre 2024, encore, VOA Creole, et à présent, dans l'occasion. Donc, c'est comme ça que grand pile activité, notamment gagné, et ancien président républicain Donald Trump qui prend position qui est inhabituelle. Lui-même, il dit pas d'accord pour yo, et pour interdiction de avortement. Ça, oui, dilatation, avortement. Et abortion, en anglais, et dans tout pays. Alors que normalement, deux principales parties dans le pays. Nous disons deux principales parties parce que y a l'autre parti encore. Mais deux principales parties, c'est le Parti républicain avec le Parti démocrate. Parti démocrate, là, les pro-choice, ça veut dire lui-même, il est d'accord si on enceinte ou fait sort, vous voulez avec. Pro-choice, ça veut dire ou en faveur, mon en font choix. Par exemple, mon en doit estimer que le chef gang qui viole, l'enceinte, il va avec Kembel, le Parti démocrate, là, d'accord pour ça. Tandis que, traditionnellement, le Parti républicain lui-même, il est pro-life. Ça veut dire, il est en faveur de la vie, quel que soit. Il te met son chef gang, il te met son volet, qui enceinte une fille, Foyo Kembel lui-même, il est pro-life. Et c'est ça qui fait que ça très particulier que candidat Parti républicain, qui peut officialiser, en parlant de Donald Trump, lui-même, il dit que il n'est pas pour que il fait yon interdiction pour avortement, dilatation, au point de vue national, mais plutôt quitter chaque state, chaque état décider de ça, c'est une grosse position et qui fait un pile écho dans l'actualité électorale ici aux États-Unis. Et puis, il y a l'autre côté encore qu'un pile, moun yeux braqué sous lui, c'est Wisconsin. Wisconsin, en dans Wisconsin, gonti kate krele Milwaukee. Yo même, c'est yon côté d'après spécialiste, d'après politologue, c'est ou pas qu'à gagner, ou pas qu'à perdu Wisconsin, et puis pour gagner l'élection, li difficile. Sous perdu, il facilement tout ou capable perdu l'élection. Donc, et ou pas capable à l'avance pour dire qui est-ce qui pourrait gagner. Et en 2016, par exemple, Gampil Noir Ladan, il était voté pour Donald Trump. Mais en 2020,
ils ont voté en faveur Joe Biden. Donc, ça veut dire que c'est un côté qui est très, très serré, surtout avec quelques monde qui ont été en dessus, quelques noirs qui ont été en dessus, ont dit par rapport à l'administration Biden. Non? Ça qui fait que, eh bien, qu'on a là, très, très serré son question d'absolu, parce que nous-mêmes, nous décrétons la permanence dans la question électorale là, ici aux États-Unis. Et puis, Israël. Israël-Hamas. Nous, revenons, nous songeons que guerre Israël-Hamas là, il était éclaté le 6 octobre 2023. C'est là que M. Hamas a attaqué Israël. Et puis, depuis les années, Israël menait attaque sans garder derrière, blind, mon a dit, sans discrimination. En français, t'as dit, sans garder derrière, il a frappé du. Et qu'on y a tout, mais Israël, tout, il pas seulement à gommer avec Hamas. Il a un problème avec Iran, il a un problème avec M. Hezbollah. Et par ailleurs, en parlant de Hezbollah, Israël dit que les touillés ont gros commandant Hezbollah, non lissé Ali, Ahmad Hassin, son attaque qu'il fait, et puis, eh ben, monsieur mourit, et dans l'attaque là. Il a un problème tout avec Iran. D'ailleurs, Iran dit que lui-même, l'a retalié, l'a vengé de l'attaque ça. Donc, nous connaissons que ça qui t'est passé semaine dernière là, gagné, et président Joe Biden qui t'est parlé avec Premier ministre, et Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. Il y a trois requêtes principales que il a fait parmi l'autre pipitio. C'est premièrement, il y a protection population civile. Protection population civile. Plus assistance pour Gaza, parce que Gaza a une crise humanitaire. Et puis, troisièmement, nous dit, et protection et population civile là. Deuxièmement, et assistance pour Hamas. J'ai l'impression que c'est lui que... Et puis non, c'est troisièmement, c'est ça, on cesse le feu. On cesse le feu dans l'immédiat. Et faut dire que dialogue, ça fait dans un moment côté que la Maison-Blanche dit indigné devant sept membres et organisation humanitaire, ça qui travaille avec, ou bien qui toujours travaille avec et moun qui grand goût dans Gaza. Donc, mais gon tir retrait qui fait, mais... Et Premier ministre Benjamin Netanyahu hier, dans l'occasion anniversaire guerre, pas anniversaire, mais, yeah. Donc, il dit dans l'occasion que lui-même est presque fini avec l'objectif. Pour groupe de terreur, ça, groupe terroriste, ça n'a pas existé encore, il dit presque fini, il est au seul bagage, c'est débarquer dans Rafah. Mais il faut dire que Rafah, tout son problème, parce que les États-Unis, Nations Unies, et en pile l'autre puissance occidentale, pas voulu que l'armée Israël là fait causer ça. Donc c'est ça qui fait que qu'on y a et grand pile monde qui suivre parce que gagne un ministre défense là Yoav Gallant qui dit lui-même que il y a tout préparatif déjà fait pour attaquer Rafah qui en ça parler. Donc c'est ça qui fait que nous-mêmes n'a su de très près pour vous, et actualité dans la région Moyen-Orient côté guerre. Li a continué, mais on anniversaire arrivé encore. Nous connaissons 6 octobre, jeudi à 8, mais 6 et avril, ça, yo marqué li. Et le marqué là, c'est pas l'autre bagaille, c'est Benjamin Netanyahu qui pourrait ministre israélien qui confirme que il va l'attaquer Rafah. Alors que les États-Unis, en pile pression sur ça, en pile puissance occidentale, Nations Unies dit, yo non, pas fait ça, nous va le garder. Qui j'en sapra lié? Qui gens et menace États-Unis fait yo et par rapport à Israël qui sont gros on sont gros alliés les États-Unis et tout ça gagne poids tout dans élection présidentielle parce que gagne groupe qui estime que États-Unis soutenir Israël trop surtout monde qui palestinien qui gagne une grosse force tout ici aux États-Unis et puis juif qui gagne une grosse force tout donc ça fait tout bagage spécialiste qui a analysé question électorale politique dit toute action tout pion que et Joe Biden ou bien Donald Trump a déplacé ces pions électoraux que vous ça veut dire ou pas cap garder de façon anodine comme tout garder comme ça faut que ou elle tout ça a gagné comme conséquence tout ça qui vient avec donc c'est en gros ça n'était gagné pour une nouvelle tout chaud que nous porter pour vous
Pas oublier, nous avons rendez-vous là, ben, moi qui est là, à midi et demi, avec Rodriguez dans sac passé Haïti. Et puis nous connaissons un gros rendez-vous, c'est un rendez-vous. Rendez-vous à 4 heures tapant avec même équipe là. Et nous saluons tous nos amis. Et nous, merci, nous remercions de ce côté branché. Dans ce moment ça, ça fait nous un pile plaisir. Nous avons dit, continuez à faire ça. Parce que c'est bon choix qu'on fait, parce que nouvelle autant de sauver au Acréole, ou pas même besoin à le vérifier, parce que nous-mêmes, c'est vérification que nous y est. Moi, c'est Jacques Lambert-Lizère, avec support technique Jean.